Bon, Philippe de la librairie La Manufacture, je vais vous présenter Apérogon, qui a été écrit par Callum McCann, qui est un Irlandais. Ce livre est un véritable choc. C'est l'histoire de deux pères, un Israélien et un Palestinien, qui vont se battre pour la paix. Les deux pères ont perdu leur fille lors d'attentats, et on connaît le conflit israélo-palestinien, qui est un des conflits les plus durs. Et ces deux pères vont dépasser la violence, la souffrance, pour se battre contre la paix. Et ils vont faire des conférences dans le monde entier, en expliquant l'ensemble des conflits, de la violence, et que la seule issue dans ce conflit-là est la paix. Ce livre est sublime, il faut pouvoir le lire parce que c'est un vrai acte d'humanisme. Alors du coup, Victoire, je travaille aussi à la Manufacture, et moi je vais parler de « Donne-moi la main, Menino » d'Aurélie Delahaye. C'est un livre qui a été écrit en mars, juste avant le confinement, du coup, le premier confinement, et qu'on n'a donc pas bien pu présenter en librairie, mais qui est super chouette. En fait, ça parle de Lisbonne et du boom touristique qu'il y a eu dans cette ville. Donc en fait, à un moment donné, tous les logements sociaux, beaucoup de logements sociaux en fait, ont été entre guillemets réquisitionnés pour être transformés en Airbnb. Et donc ils ont augmenté les prix pour faire partir les gens, enfin voilà. Et en fait, ça a causé du coup beaucoup de problèmes, évidemment. Et dans ce livre, on arrive à suivre à la fois les gens qui vivent dans les immeubles, les gens qui veulent expulser ces gens-là. Il y a plein de personnages qui sont super chouettes, on s'attache à peu près à tout le monde. C'est très rythmé, c'est très coloré, c'est super, super agréable à lire. Et donc c'est un roman qui est à la fois social et à la fois on se sent bien quand on le lit. Donc c'est vraiment un roman parfait que je recommande à tout le monde de lire. Alors bonjour à tous, moi c'est Diane Bernard, je travaille à la librairie La Manufacture près du Pont Vieux à Romans sur Isère. Et aujourd'hui, je tenais absolument à vous présenter mon dernier coup de cœur, donc qui date d'il y a 2 jours, donc c'est tout frais, tout beau. C'est un livre de Samantha Shannon, aux éditions de Sexus, The Bone Season, le tome 1, la saison d'os. Elle avait déjà écrit un autre livre, Le Prieuré de l'Oranger, que j'avais adoré, mais là, attention, Le Prieuré de l'Oranger, c'est un livre pour adultes, pas pour jeunesse. Là, c'est un livre pour jeunes adultes, on va dire à partir de 13 ans, et pour les adultes, sans limite. Donc, pour vous faire un topo, on est à Londres en 2059, et on suit une jeune fille qui s'appelle Paige, Paige, et qui travaille avec la mafia. Si elle travaille avec la mafia, c'est pas parce qu'elle a un goût du crime ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle fait partie d'une catégorie de gens un peu particuliers qui sont traqués par le gouvernement. Il faut savoir que là, dans ce Londres de 2059, la magie est omniprésente. Et tout le monde pratique la magie, tout le monde a des pouvoirs bien spécifiques, et on va dire que chacun est rangé dans des cases, des castres, on va dire. Et malheureusement, elle fait partie de la mauvaise. Une castre qui est considérée comme étant extrêmement dangereuse par le gouvernement. On est dans un gouvernement totalitaire. C'est eux qui décident de ce qu'on fait, où on va, ce qu'on pense, et ceux qui s'écartent du droit chemin, ils sont fichus. Un jour, lors de d'un de ses travaux avec la mafia, elle va faire une bêtise. Je ne vais pas vous dire laquelle, sinon ça serait vraiment spoilé. Mais tout va partir dans tous les sens. Elle va être arrêtée, jugée et condamnée à l'esclavage. Je m'arrête là, je ne vous en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est allez-y. Parce que c'est vraiment une dynamite. Si vous avez aimé Harry Potter, allez-y. Si vous aimez tout ce qui est un peu dystopie aussi, tout ce qui est un peu avec des créatures fantastiques, de la magie, foncez. Hier, je suis arrivée au travail avec les yeux qui me sortaient hors de la tête tellement que j'ai pas dormi, tout simplement, parce que je voulais le terminer. Donc, je vous redis le nom de l'auteur Samantha Shannon, The Bone Season, le tome 1, aux éditions Sexus. Alors, à confirmer, mais apparemment, il y aura 7 tomes en tout. Donc voilà, la dynamite. Merci. Je suis Marine Duvin à la Manufacture et mon coup de cœur de l'année en bande dessinée, c'est La Bête de Zidrou et Franquet. Alors c'est une relecture du mythe du marsupilami, ça se passe dans les années 50 en Belgique. Un cargo arrive, un cargo de braconniers qui amène des animaux qu'ils ont capturés pour les revendre illégalement. La traversée s'est mal passée, 90% des animaux sont morts, sauf quelques carnivores, et
cette espèce de singe inconnu qu'ils ont trouvé, mais qu'ils ont ramené sans savoir vraiment ce que c'était. Il est malade, il est affamé, mais il réussit à s'échapper et il s'enfuit dans la campagne belge. Il va être récupéré par un petit garçon qui a 10 ans à peu près, qui n'a pas une vie bien marrante parce qu'il est fils d'un occupant allemand. Donc on se situe à peine 5-10 ans après la guerre, il subit un peu tous les jours. Et lui, il récupère tous les animaux qui traînent. Il y aurait des marcassins à la maison, des loutres, des chevaux, enfin tout ce qui est malheureux, il le ramène à la maison. Et il ramène donc ce marsu. Il ne sait pas ce que c'est, personne ne sait ce que c'est, personne n'a jamais vu ça. Et ça va être le début d'une histoire d'amitié déjà, et puis plein de péripéties, parce que cet animal, il intrigue beaucoup de monde. Donc dès qu'on le voit, il attire un peu toutes les convoitises. C'est aussi un animal sauvage, difficile à faire cohabiter avec tout le reste. Et voilà, c'est magnifique. Il y a de très très belles planches. Ça, je pense que ça parlera autant aux fans de BD des années 60 de Franquin, parce que c'est un vrai hommage au Marsupilami. Un vrai hommage à plein d'autres petites bandes dessinées, où il y a des clins d'œil à chercher dans tout l'album. Et autant, je pense, aux jeunes de maintenant, ça peut aussi les amener à découvrir une bande dessinée qu'ils ne connaissent pas. Donc voilà, ça sera en deux tomes. Le premier vient juste de sortir, le deuxième sera sûrement pour l'année prochaine. Et voilà, c'est un bel objet à offrir.